Yo tout le monde, c'est Maikiso. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment bien choisir son jeu PC et faire en sorte qu'il marche sur votre PC. Donc, c'est pas vraiment... Je suis pas vraiment un exemple hein, pour BF4, mais bon. Suite à ça, ma rage a tellement monté que je pense qu'il est temps de prévenir les gens. Voilà, donc je vais vous donner mes connaissances que j'ai pour faire tourner un jeu. Et en attendant, je vais vous citer quelques petites connaissances qu'il faut avoir avant de choisir un jeu. D'abord, toute personne voulant choisir un jeu PC doit connaître sa configuration, car certains jeux demandent une configuration assez spécifique. Oh tiens, Windows a détecté que votre ordinateur est devenu lent. Je t'emmerde. Vous allez dans démarrer, donc pour Windows XP, Vista et 7, c'est la même chose. Vous tapez DXDIAG, donc pour Windows 8, c'est un peu plus difficile à trouver. Vous tapez DXDIAG, voilà. Ça va vous mettre votre affichage DirectX. Oh là là, mais je m'en fous de ça, voilà. Ici, vous avez toutes les infos qu'il y a sur votre ordi. Alors, d'abord, vous avez le nom de votre ordi. Donc, moi, c'est une référence à Borderlands 2. Votre système d'exploitation est Windows 7 professionnel de 64 bits pour moi. Le fabricant, voilà, donc ça, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on a le BIOS, donc la date vers 8h14. Donc, voilà, ici, c'est la date à laquelle le BIOS a été créé. Le processeur. Donc, le processeur, c'est un programme qui permet de gérer les programmes. Voilà, en fait, si vous voulez. C'est l'unité qui permet de gérer les programmes. Moi j'ai un dual cœur, c'est un deux cœurs. C'est-à-dire, plus vous avez de cœurs, plus vous pouvez gérer plus de programmes. Ensuite, moi c'est un E5700. Les gigahertz, ensuite ici affiché, moi j'ai 3 gigahertz. C'est le nombre de programmes à peu près que peut gérer mon dual core. Voilà. Plus vous avez un dual core élevé, c'est-à-dire un dual core, un 4 core, ça peut aller jusqu'à l'i5. Donc l'i5 sont les derniers. Les steaks, ils sont les derniers créés, ils sont très puissants. Vous pouvez avoir un on va dire 5 cœurs en 2,5 GHz, ça sera beaucoup plus puissant que ça, même si les GHz. Le nombre de GHz ne varie pas, c'est surtout le nombre de cœurs, voilà. Plus vous avez de cœurs, plus votre ordi est puissant. Ensuite, vous avez la mémoire, donc en tout, c'est la RAM. Donc normalement, vous allez me dire, attendez, je vois pas trop... 4096 mégabits de RAM, mais c'est énorme, non. Il faut que vous preniez le dernier chiffre, le premier chiffre en fait, et c'est le nombre de votre RAM. Vous aurez 4 de RAM, voilà. Comme bien sûr, vous savez que 1000 mégabits est égal 1 Go, mais je m'en fous de ça, égal 1 Go. Et si vous avez 4, et au moins 4000 mégabits, ça veut dire que vous avez 4 Go de RAM. Et bien sûr, si c'est, on va dire, il y a un chiffre après le 0 qui est au moins qui est inférieur à 9 dira que vous avez environ, on va dire vous avez 3 et un 5, ça fera 3,5 de RAM. Attendez, je m'en fous complètement de ça. Attendez, je vais faire une pause de seconde. Voilà, c'est bon, j'ai conservé mes couleurs. Ensuite, le fichier, donc ça c'est en tout ce que vous avez, vos disques durs, vos clés USB en tout. Donc moi j'utilise 2598 MO et là c'est il y a 5589 MO disponibles. Ensuite, ça c'est ma version du DirectX. Le Direct 11, voilà. Ensuite, on passe maintenant à l'affichage. Donc ici, c'est le nom de ma carte graphique. J'ai une ATI Radeon HD 4670. C'est les Radeon qui datent de 2009. Donc ça, c'est la mémoire approximative de qu'elle peut contenir. Un jeu, en fait, il demande une mémoire graphique. Et cette mémoire graphique, si le jeu vous la mentionne, bien sûr, et qu'elle est inférieure à la vôtre, le jeu ne tournera pas très bien et risque de crasher à tout moment. C'est ce qui se passe avec Borderlands 2. Mais j'y reviens après. Voilà, et ici c'est le mode d'affichage que vous avez, donc 64 bits, 39, là je suis en 32 bits, 1600x900 car c'est la taille de mon écran, voilà. Bon, on met sur pause. Ensuite, il va falloir que je vous en apprenne un peu plus, on se retrouve encore pour la suite. Je vais maintenant vous apprendre à savoir quelle est la configuration demandée et savoir si votre configuration sera assez puissante, voilà. Donc d'abord vous allez vous rendre sur Steam, donc tout joueur PC connaît Steam. Donc Steam est une plateforme de distribution de jeux vidéo. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'on peut savoir la configuration requise dans les paramètres du jeu. Voilà. Donc on va prendre un jeu de catégorie 2. La catégorie 2 est en fait les jeux qui sont sortis entre fin 2009 et fin 2012. Voilà. Ce sont les jeux qui demandent une carte graphique normale et pas excessive comme d'autres. Alors pour commencer, ces jeux ils sont assez répandus. Donc la série Call of Duty par exemple. Donc si je tape Call of Duty, je vais vous montrer Modern Warfare 3. Donc Modern Warfare 3 est l'exemple pile qu'il me fallait de Call of Duty. Il est exact, voilà. Donc attendez, faut que je le retrouve. Hein. Oui, il est passé.
Ah ouais, Call of Duty. Modern Warfare 3, voilà. Donc, Call of Duty Modern Warfare 3 est un jeu de catégorie 2, normal, puisque la carte graphique qui était demandée, regardez, ici, si vous descendez, vous avez ce qui est de, la configuration requise, pardon. Windows XP, Vista 7, voilà. Et il demandait une X1950 Ti Radeon. Et par contre, les GeForce, hein, ça va. Donc, les GeForce, souvent, elles sont élevées, donc ça, c'est facile à reconnaître. À cette époque-là, encore, les Call of Duty, ça va, on pouvait faire tourner facilement dessus. On pouvait facilement faire tourner avec une carte graphique assez faible. Et après, bien sûr, tout ce qui était Géo, etc., ça passait crème. Maintenant, on va passer à un jeu de catégorie 3, qui est Call of Duty Black Ops 2. Voilà. Call of Duty Black Ops 2 est un jeu de catégorie 3, puisqu'en fait, la carte graphique est un peu plus puissante, et elle est très dure. Ce jeu est très dur à faire tourner en qualité minimale, malheureusement. Donc, regardez. Ouais, c'est vrai, il y a les camouflages avec Ghost, donc je vais me prendre un peu tard pour faire cette vidéo, désolé. Donc, regardez, ils mettent déjà les Windows XP n'est pas supporté, puisqu'à l'époque, la plupart des Call of Duty tournaient sur du Windows XP. Donc ici, c'est une ATI Radeon 3870, donc en gros, c'est presque le triple de ce qu'il y avait pour MW3. Vous avez vu comme ça a évolué. Et même si vous le faites tourner proche de ça, ça va être très dur. Très dur. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer d'autres jeux de catégorie 4 qui sont par exemple Call of Duty Ghost et BF4. Et là, vous allez voir, c'est l'horreur. Le double de Black Ops 2 est demandé. Regardez-moi ça. Il faut maintenant une 5870 pour faire tourner. C'est quasiment énorme. Et après, les GeForce, hein, ça devient de plus... Ils ont raccourci le nombre, et ce qui est... Plus le nombre est petit, plus c'est grand. Et c'est la vérité. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc, malheureusement, pour les jeux EA qui sont via Origin, ils n'ont pas trop détaillé la configuration requise. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un type de jeu dont il faut se méfier. Voici un exemple de jeu qui est assez fourbe, c'est Battlefield 3. Il marche sur le Frostbite 2. Donc, les jeux EA sont très durs à faire tourner, même en qualité minimale. Il faut souvent une carte graphique du tonnerre, qui dépasse l'entendement humain, limite. Voici la configuration requise. Minimum, je dis bien required, voilà, système requirement, il faut au moins une ATI Radeon 3000, et qui fait tourner, et qu'il faut minimum 512 mégabits de RAM. Voilà. Donc c'est énorme. Et même moi, je suis même pas sûr de la faire tourner, voilà. Regardez, ensuite pour les GeForce, alors là c'est un peu plus différent puisque les GeForce, ça va, vous pouvez les faire tourner, parce que les GeForce, d'abord c'est bon, c'est un peu plus cher, mais par contre ça fonctionne sur pas mal de jeux. Voilà. Et regardez comme c'est énorme ce qu'il faut. Ensuite le DirectX est compatible, voilà, donc vous avez vu la carte graphique qu'il faut. Et ce jeu est fort parce qu'imaginons que vous avez une ATI Radeon 2900, même s'il vous manque 100 qui sépare entre 2900 et 3000, le jeu ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment très dur de faire tourner les jeux EA. Et je vous parle pas de l'autre jeu que je vais vous présenter. Ah, Crysis 3. Ce jeu est impossible à faire tourner en minimal. J'ai dit bien minimal, hein, c'est-à-dire que les graphismes soient dégueulasses et que ça pue la merde. Alors là, regardez ce qu'il faut, bordel de merde. ATI Radeon 5770, et pourtant ce jeu est sorti avant Call of Duty Ghost. Imaginez ce que ça sera, Crysis 4, ça va faire mal. C'est énorme ce qu'il faut, mais énorme. Et par contre pour les Nvidia, une 450, donc quand même 450, plus tard ça sera 100. Donc comme je vous l'ai dit, 600, c'est moins puissant que 450. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. En fait, ça va dans le décompte. Plus t'as ton ADI à un grand nombre, plus elle gère, et plus t'as une GeForce qui est petite, plus elle gère. Voilà. Voilà, bah c'est ça. Donc vous avez vu, et je vous parle pas du reste. Donc je vous laisse observer par vous-même ce qu'il faut. Mais c'est incroyable, incroyable. Bon, maintenant on va passer à une autre. De retour sur Steam, donc je voulais vous montrer un autre truc. C'est Borderlands 2. Alors Borderlands 2 fait partie de la catégorie des jeux gros coup de pute. En fait, c'est des jeux que ils demandent pas grand chose pour tourner, mais le seul truc qui est chiant avec ces jeux, c'est qu'ils possèdent l'effet physique. Alors l'effet physique, c'est un effet de particules qui est uniquement disponible sur les Nvidia GeForce.
Et bien sûr, cet effet est primordial pour le jeu puisqu'il tourne presque que avec ça. Et ces gros connards, eh ben, ils nous l'ont pas dit. Donc du coup, moi, je me suis fait entuber quand j'ai acheté Borderlands 2. Regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, vous connaissez à peu près ma configuration. Atiradon 2600. Bon, ça va, puisque c'est en cartoons. Mais ils ont pas dit pour l'effet physics. Donc en gros, on s'est baisé, voilà. Et ce jeu, il y a un autre jeu qui fait pareil, qui fait partie aussi de cette catégorie, c'est Metro Last Light. Alors Metro Last Light est un jeu qui est presque impossible de faire tourner sur Atiradon, à part si vous en avez une bonne. Bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai essayé de le faire tourner, et c'était très dur de le faire tourner, croyez-moi. Parce que regardez, le jeu, ils mettent même pas si l'ATI est disponible. Ils mettent uniquement GeForce parce que Metro Last Light tourne sur un moteur graphique qui est pas très très bien accepté par les ATI Radeon. Du coup, il faut mieux une GeForce. L'équivalent d'une GT, d'une GeForce 8800, c'est égal à environ une 5000 ou une 6000 pour une ATI Radeon. Vous vous rendez compte? Vous apprendrez quelques bases après. Je vous attends pour la suite. Donc maintenant, une autre petite technique à moi. Donc si par exemple vous achetez un jeu et que vous voyez que le jeu ne crache tout le temps ou qui freeze ou qui fait un retour Windows tout le temps, c'est à cause de la qualité graphique. Votre carte graphique n'est pas assez grande pour le faire tourner, donc il va falloir baisser la qualité d'image. Donc d'abord, vous mettez en résolution la plus petite pour que ça ne lag pas, on va dire 1024 x 600, une connerie en dessous de 1280 x 720. Ensuite, vous baissez, vous allez dans les paramètres avancés du jeu, donc j'ai pas pu prendre d'exemple, un jeu par exemple, parce que chaque jeu a son affichage spécifique. Vous mettez la qualité la plus basse, et normalement, ça devrait plus laguer. Voilà, tout court. Si bien sûr, vous êtes toujours pas un pro de l'informatique, ou comme moi, vous avez des doutes, vous pouvez aller sur des sites. Ça s'appelle, il y a un site qui s'appelle Can You Run It. Il permet d'analyser votre GPU, et vous permet de savoir si votre jeu est compatible ou pas. Donc, n'oubliez pas qu'il faut minimum, bon, je prends un jeu comme Call of Duty Black Ops 2, il faut minimum avoir de l'écart par rapport au jeu, au moins avoir 1000 d'écart par rapport à un jeu. Par exemple, donc là, ici, c'est la zone de fail. Alors, tout ce qui est avant, c'est que vous pourrez le faire tourner en minimum, voilà, en dessous de la barre ici. Ici, c'est après, c'est que vous pourrez bien le faire tourner. Donc, moi, regardez, donc, si vous mettez un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il sait pas, ou un point d'occasion, c'est qu'il trouve pas. Donc ma RAM est suffisante puisque j'ai 4,1, alors que là il faut moins 4. Ensuite mon OS, donc c'est mon Windows, il passe. Ensuite ma carte vidéo, donc moi ma carte vidéo il dit que c'est une Radeon 3870, il dit que ouais, c'est le minimum, mais que Nati Radeon HD 4070 risquerait d'être fail. Donc faites très gaffe, donc moi je sais que je peux le faire tourner parce que j'ai déjà fait tourner la démo une fois. Donc il faut faire très très gaffe par rapport à ces choses là. Essayez au moins d'avoir 1000 par exemple. Là, imaginons que j'ai une 3870 et que justement le jeu que je veux est une 3870. Il faut au moins avoir 1000 d'avance, c'est à dire au moins d'avoir 4870 par rapport au jeu. Et après ici c'est mon CPU, c'est mon processeur. Donc en gros mon jeu pourrait peut-être être lent par rapport au multi. Donc voilà. Et ensuite, si vous n'êtes pas convaincu, il y a d'autres sites qui sont un peu plus précis. Hein. Donc là, c'était... Regardez, si je... Bon, je ferme, voilà. Je vais sur Game Debate. Je tape un jeu, par exemple. Je vous mettrai les liens des sites. Ce site permet d'être un peu plus précis que d'autres sites. Voilà. On va prendre un jeu comme Call of Duty... Bon, c'est bon, la grosse connerie. On va prendre un jeu comme Call of Duty Modern Warfare 3. Donc il met un peu plus de détails par rapport que Can You Run It. Donc bon, ça charge un peu, je suis désolé. Voilà, il met un peu plus de détails, il met ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire, vous avez le système requis, le système minimal et le système ajusté. Voilà. Donc, regardez ici, bon, il y a la description du jeu. Ici, alors ici, c'est la zone entre les deux. Donc là, c'est ce qui pourrait tenir entre le minimal et le requis. Bon, par exemple, moi, je prends par exemple, il me faudrait. Voilà, moi je me situe à peu près ici. Donc là, maximum, il faut du Windows 7 32. Ok. Ensuite, le DirectX Direct 9. L'espace, il faut 16 gigabits. Ensuite, là, il faut une ATI Radeon 4600. Donc ça va, puisque c'était ce jeu. Et ensuite, les Radeon 850, bon, c'est l'équivalent de celle-là, pareil, à peu près. Et ça, par exemple, c'est les ATI Radeon HD, qui sont de ma génération. Donc ça va, moi, je peux le faire tourner. Ensuite, là, on est GeForce, voilà. Donc, il met ça, par exemple, s'il n'est pas sur Can You Run It, voilà. Donc, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, j'espère vous avoir fait partager mes connaissances. Bon, les pros, dites-moi si j'ai oublié des trucs ou j'ai dit de la merde, car
C'est comme ça que moi je peux faire tourner des jeux. Donc bon, bien sûr, BF4 c'est pas vraiment un exemple, hein. C'est un jeu qui est très très dur à faire tourner et qui demande une énorme carte graphique, même si vous avez le système minimal. Et voilà, il y a aussi des bugs, il y a un tas de trucs comme ça, donc ça je peux pas trop juger le jeu puisqu'il n'a pas encore été analysé par des pros. Sur ce, je vous dis peace et je vous dis bye bye. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bonne rentrée.